sur une branche, une chenille. Se dandine et moi dans mon lit, je fais la larve. Les exigences, c'en est fini. Aujourd'hui, je veux être une chenille qui voyage à la queue leu leu, avec les copines. Chacune a son rythme, ce n'est pas scandaleux. Le train-train quotidien de ces créatures me donne envie de les prendre en filature. Elles se tortillent, qu'importe la température. Et pendant ce temps-là, je me demande pourquoi, dans mon cocon, j'attends la révélation. Comme jeune chenille, je veux devenir papillon. En attendant mon envol, je rampe. J'ai besoin d'autre chose que ce rôle morose. En attendant mon envol, je rampe. J'ai besoin d'autre chose qu'une métamorphose. Au fond, nous le savons, demain tout redeviendra comme hier. Assis dans le salon, mon reflet sur la vie, j'en suis pas fier. Alors je sors voir les chenilles et leur propose un petit manège. Qui sont au ralenti pour pas finir en escalope milanaise. Sur la nationale, un camtar des boules. J'te jure j'ai les boules. Il vient d'écraser Pascal. Ça part dans tous les sens, c'est la panique. La deuxième victime c'est Brigitte. Avec mes petits enfants en pleine adrénaline, on va finir en gélatine. La deuxième victime c'est Brigitte. Avec mes petits enfants en pleine adrénaline, on va finir en gélatine. Tous blancs pâles, comme des asticots. Radical et la nationale. On détale comme des aligots vers les caniveaux. Faire du scandale. La vache, ça décapote.
décide de m'arrêter. Le regard noir, les yeux plissés, je crois qu'il veut participer. Sirène hurlante, aquaplaning sur le parking. Carlin brûlante, le diagnostic est fatidique. Sous la canicule, sans mon véhicule, sous le soleil, un gus gesticule, en agitant son bidule. Il s'y flotte dans le machin, ça fait du bruit de zinzin. Il veut ma flotte et j'en ai plein, pourquoi faire le radin? Il me demande mon accord, ok d'accord. Il me demande mon accord, ok d'accord. Mais putain, quel gros sac à vin. J'ai plus rien dans ma gourde. Il revient et il a faim. Il faut pas qu'il me zigouille. Alors je cours, cours encore, jusqu'à Malemort. Alors je cours, cours encore, jusqu'à Malemort. Alors je cours, cours encore, jusqu'à Malemort. Jusqu'à Malemort. 2 heures plus tard, je suis assis dans un bar, lorsqu'un homme au comptoir me prend pour son accoudoir. Merde, c'est la brute de tout à l'heure, mon Dieu quel malheur. Si je m'éternise ici, je sens que je vais passer un sale quart d'heure. Quel est cet individu qui me colle au cul? Son endurance diminue. Sera-t-il enfin vaincu? Là je sais, cet individu qui me colle au cul, pour une raison qui m'est inconnue. Que me veut-il dans l'absolu? Il souffle à nouveau dans son sifflet tout beau. Purée quel saligo. Des chiens des boules attirent l'arigot. C'est un maître chien, un sacré maître chien. C'est un maître chien, un sacré maître chien. Alors je cours, cours.
sors de chez moi et je claque la porte sans aucun remords. Sans aucun remords. Ce midi je fais quoi? Je fais quoi? Je fais le cloporte comme tous les gens dehors. On s'active, on a carte blanche pour choisir un sandwich en tranche. Un sandwich en tranche. Lorsqu'un type me tire par la manche, par la manche, et son discours il enclenche. Viens travailler avec moi, tu verras. C'est bien d'écouter papa. C'est bien d'écouter papa. Tu verras. Viens travailler avec moi. Viens travailler avec moi. Tu verras. C'est bien d'écouter papa. Viens travailler avec moi. Viens travailler avec moi. Il me tire de force. On s'enfonce dans une ruelle. Au bout il y a un Porsche. Il me présente un bus en uniforme qui me dit bonjour et me confie un coffre. Bonjour. Ma seule mission, partir 2 km au sud à un point défini pour voir quelqu'un d'important. Voilà. Lui remettre ce foutu coffre. Tiens. Et rentrer pour empocher l'argent. Merci papa pour les conseils. Grâce à toi, j'ai plein d'argent. Merci papa pour les conseils. Grâce à toi, j'ai les poches pleines. Merci papa, merci papa. Poche pleine, pleine de billets. Mais dans ma tête c'est le dawa. C'est le dawa. Je suis sur 4 missions à la fois. Ça commence à me casser les noix. Maintenant je veux passer sergent. Passer sergent. À mon tour d'embrigader les gens. À tue-tête je chantonne fièrement. À voilà vous d'embelle de rente en plan. C'est décidé, je vais voir le boss. Et lui annonce mon ambition. Au bout d'une minute de discours, il me dit non. Alors je lui réponds. Je veux plus travailler pour toi. Tiens mon bras et fous le toit dans le baba. Je m'en fous de ce qu'il a dit papa. Regarde-moi, tu peux plus compter sur moi. Je ne reviendrai pas. Je veux plus travailler pour toi. Tiens mon bras et fous le toit dans le baba. Je veux plus travailler pour toi. Je veux plus travailler pour toi. Je ressors du bureau, esprit reposé, mais quelque chose cloche. Je récupère mes affaires du casier, lorsqu'une présence se rapproche. Ouh, c'est le boss qui déroule avec sa brigade de maboule. Ouh, les choses se torsent, ils sont à mes trousses, il faut que je me brouille. Oh. C'est la surprise du chef. Ni trop sucré, ni trop salé. Que va-t-il sortir de sa botte secrète? C'est la surprise du chef. Je pousse la porte. Il est pas si tard, mais j'ai une fin d'ogre. Le menu est plein, quel petit chanceux. Je me prends d'emblée un verre de vin liquoreux. Le vent de gargouille, putain c'est vrai ça creuse. On va pouvoir passer aux choses sérieuses.
Le gars revient avec son bloc-notes. Il me suggère le saumon en papillote. Non merci sans moi, je veux un plat osé, avec du fondant et une sauce relevée. Alors il me propose un cassoulet. Mais non pardi, ce que je veux c'est la surprise du chef. La surprise du chef. Ni trop sucré, ni trop salé. La surprise du chef. Que va-t-il sortir de ta botte secrète? Ta botte secrète. C'est la surprise du chef. La surprise du chef. Destination. Je salive comme un cochon. Le serveur dépose le chaudron. Ça m'a l'air bien bon. Je crois que j'en veux encore. J'appelle le serveur, c'est mon sauveur. On remplit l'assiette à rapport. Allez-y, n'ayez pas peur. Le supplément arrive à destination. J'ai déjà le ventre bien rond. Où vais-je foutre cette nouvelle portion? J'ai eu les yeux plus gros que le ballon. Bonjour, je m'appelle Overdose. Enchanté. Mon but se résume à une chose. Te faire exploser. C'est la surprise du chef. Ni trop sucré, ni trop salé. Que va-t-il sortir de sa botte secrète? C'est la surprise du chef. La surprise du chef.